Sous le haut parrainage de la première dame, présidente de la fondation Pour une vie meilleure, Hajia Issata Issoufou, en la présence effective de Monsieur Fumako Gado, ministre du Pétrole. L'association Niger's Women in Oil and Gas, NIO, organise une grande conférence placée sous le thème « La femme dans l'industrie pétrolière ». Quelle meilleure intégration des femmes dans ce secteur considéré jadis pour la gente masculine. La conférence de NIO vise le changement de mentalité pour attirer les femmes vers les formations scientifiques et techniques en général et la formation pétrolière en particulier. La promotion de la femme nigérienne dans l'ingénierie et la technologie pétrolière en s'appuyant sur sa compétence et son dynamisme. Accompagner l'État du Niger dans sa volonté de faire du pétrole un des piliers de la nouvelle économie en se basant sur les compétences nigériennes, surtout celles des femmes. Présenter aux entreprises et au grand public la place, la performance de la femme dans le secteur pétrolier. Rendez-vous à la date du 20 avril. Vous êtes tous conviés le 20 avril 2018 à 8h45 au Palais des Congrès de Niamey. NIO, la femme active dans le secteur pétrolier et du gaz. Au programme, des artistes nigériens et des projections de films sur la femme dans le secteur du pétrole et du gaz. La femme au cœur du changement sans complexe. Wanda, so wanna mbaba derja che da Allah.
Thank you.
Merci, mesdames et messieurs, nous allons se lever pour accueillir la première dame du Niger, s'il vous plaît. Ovation, applaudissements pour la première dame du Niger. Que je vais vous demander d'applaudir très très fort. Encore plus fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Nous allons permettre à la première de commencer le ministre du Pétrole, les différentes autorités qui ont bien voulu faire le déplacement en cette très belle matinée. Et je voudrais qu'on applaudisse très très fort, s'il vous plaît. Ces dames œuvrant dans le domaine du pétrole et du gaz. Madame la Première Dame, Monsieur le ministre du Pétrole, Monsieur le Gouverneur, je voudrais que nous applaudissions très très fort pour cette Nigérienne Aliza Ibra qui a eu cette très belle initiative que je vais appeler là pour son discours. Chère jeunesse nigérienne, il faudrait l'applaudir parce qu'elle a eu une très belle idée. Ça se mérite.
niveau. Mesdames et messieurs les ministres, en tant que organisations internationales, monsieur le gouverneur de la région de Niamey, monsieur le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, messieurs les directeurs généraux des sociétés, honorables chefs traditionnels et leaders religieux, chers invités à vos titres, qualités et grades respectifs, bonjour. L'honneur me choisit en ma qualité de présidente de NIO de vous accueillir aujourd'hui pour l'ouverture de la première conférence qu'organise notre association. Nous remercions tout particulièrement la première dame, son excellence, Madame Aïssata Issifou, marraine de cette conférence. Son excellence, le ministre Toubeko, Monsieur Foumoko Ekebo, Monsieur Ibrahim Nomo, le directeur général de la SONINEP, et tous ceux qui nous ont accompagnés pour l'accompagnement de la présente conférence ayant pour terme la place de la femme nigérienne dans l'industrie pétrolière. Tout au long de cette conférence, M. Amadou Hassan, le conférencier, va nous entretenir d'abord sur les ressources minières de notre pays, particulièrement les hydrocarbures, l'exploration en 1958 jusqu'à la production en 2011. Puis les défis et opportunités de ce secteur se précisent. L'un des plus importants secteurs d'activité au Niger, où curieusement les femmes sont largement sous-représentées à tous les échelons. La plupart des femmes travaillant pour des sociétés pétrolières à tout cause, le manque de sensibilisation ou même d'incitation des jeunes filles lors des conseils d'orientation académique, celles qui ont les capacités à poursuivre la cursus universitaire dans le domaine de l'ingénierie pétrolière et de la pétrochimie, considérément étant spécifiquement réservées aux hommes. C'est pour cela qu'il nous paraît important de communiquer pour décomplacer la femme nigérienne du domaine de l'ingénierie pétrolière et de la pétrochimie, pour ne pas laisser ce terrain à la portée unique des hommes. D'où la création en janvier 2017 de l'association NIO, le genre oblige, sèche, chère maman. NIO se donne comme objectif la création d'un cadre de sensibilisation et de concertation entre les femmes travaillant et étudiant dans le secteur pétrolier afin de motiver les jeunes filles à s'orienter davantage dans le domaine scientifique. L'image d'une entreprise en tant que champion du genre. Aujourd'hui, le secteur pétrolier est un secteur d'activité prometteur au Niger, mais le pays dispose d'une main-d'œuvre peu qualifiée. D'où la nécessité de faire appel à toutes les ressources humaines disponibles, particulièrement les femmes, pour maintenir le développement de ces secteurs et encourager les vocations. Mesdames et messieurs, nous osons espérer qu'à la fin de cette conférence, que chacun d'entre nous rentrera édifié sur le domaine pétrolier et toutes les opportunités qu'il offre, que les femmes sachent qu'elles peuvent aussi étudier et faire carrière dans ce domaine dominé largement à ce jour par les hommes, que les autorités publiques et les responsables des institutions pétrolières du pays prennent en compte la nécessité de l'insertion des femmes dans le service du secteur pétrolier. Je vous remercie pour votre attention.
applaudit très très fort, s'il vous plaît. Je laisse Michel pour prendre la police. Pour favoriser le développement durable. Mesdames et messieurs, comme vous le saviez, le programme de la Renaissance Acte 2 du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, milite dans ses volets de la Renaissance culturelle, du développement pétrolier, de la culture de l'excellence, de la place et du rôle de la femme dans le domaine scientifique. Il milite, dis-je, pour l'égalité des chances entre les fils de la nation. Cela implique que dans le système éducatif, il faut briser les tabous, briser les barrières, briser les préjugés, combattre le sexisme, pour permettre à la jeune. Nous enregistrons de plus en plus de femmes spécialisées dans des domaines tels que le droit, la sociologie, l'économie, la médecine. Par contre, celles qui osent se lancer dans les filières d'ingénieurs des mines, de pétrole, d'agronomie, d'informatique, d'électricité, d'électromécanique, se compte au bout des doigts. Les pionnières dans ces domaines restaient très masculins. J'ai nommé Madame Esteta Issoufou, marraine de cette manifestation. Chimiste de formation et ayant fait ses œuvres, ses armes dans le département de traitement du minerai d'uranium de la Somalie à Arlit. Tâche délicate, parce qu'il s'agit de faire ressortir quelques grammes d'uranate dans une tonne, je dis bien dans une tonne de pierraille et de sable. Autant pionnière dans le domaine minier, nous l'avons extraite de ces laboratoires pour la jeter dans la politique. Je voudrais également mentionner, en plus jeune, et vous venez de l'écouter, la présidente de l'association qui nous réunit aujourd'hui. J'ai nommé Mademoiselle Hadiza Ibrahim Moumouni, ingénieure en pétrole et spécialiste des réservoirs, casino est très recherché par les sociétés pétrolières. Refermons cette parenthèse de témoignage pour mettre à présent l'accent sur cette jeune association NIO. NIO se veut un cadre de retrouvailles des femmes exerçant dans la chaîne pétrolière, mais également comme une association devant briser les pesanteurs et encourager ainsi de plus en plus de femmes à investir ce secteur porteur et conquérir leur place aux côtés des hommes. Les deux exemples que j'ai présentés plus haut montrent s'il en était encore besoin que les industries extractives, mines et pétrole, ne doit pas être une chasse gardée des hommes. Mesdames et messieurs, le Niger dispose d'un important potentiel pétrolier. C'est pourquoi les autorités en place ont engagé depuis plusieurs années des actions fortes sur ce secteur porteur et conquérir leur place aux côtés des hommes. Les deux exemples que j'ai présenté plus haut montre s'il en était encore besoin que les industries extractives, mines et pétrole ne doivent pas être une chasse gardée des hommes. Mesdames et messieurs, le Niger dispose d'un important potentiel pétrolier. C'est pourquoi
Les autorités en place ont engagé depuis plusieurs années des actions fortes visant à mettre en valeur ce potentiel qui est en passe de devenir un véritable pilier de notre économie. En effet, avec le succès enregistré dans l'exploration, l'espoir est permis et les perspectives prometteuses. Le développement du secteur va bientôt s'accompagner de création d'emplois. Et je reste convaincu que votre jeune association saura saisir cette opportunité pour s'insérer efficacement dans les activités pétrolières. Activités qui vont se développer dans les mois à venir. Parce que dans le cadre de la mise en exploitation de la phase 2 du bloc Agadem, le Niger va, dans un proche avenir, multiplier par 5 sa production pétrolière. Je sais que nombre d'entre vous attendent encore un emploi. Je puis vous assurer que mon département ministériel mettra tout en œuvre pour amener les sociétés pétrolières en activité au Niger à embaucher plus et surtout à embaucher Nigériens. Nous faisons de la nigérisation des cadres et du transfert des technologies notre cheval de bataille. Ensemble, nous réussirons ce pari. Comme du reste, il avait déjà été relevé dans le secteur minier, plus précisément dans l'industrie uranifère, voire aurifère. Pour cela, NIO doit être une plateforme de plaidoyer en faveur de l'éducation des filles, car il s'agit d'un puissant facteur d'égalité des chances entre les enfants de notre communauté, mais aussi de promotion de l'équité du genre entre garçons et filles. Chères femmes et filles scientifiques, je vous encourage donc à œuvrer dans ce domaine aussi pour bien intégrer les domaines scientifiques et techniques en général et celui du pétrole en particulier. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.